Angels fans. Vous serez sûrement d'accord si je vous dis que l'amitié est ce qu'il y a de plus important. Raph, je sais que tu m'en veux, mais dis-moi quelque chose. Allez, je t'en supplie. Un ami sent que vous avez un problème avant même que vous lui en ayez parlé. Elle est nulle part, je ne l'ai pas vue depuis le centre commercial. On doit la trouver avant que le professeur Arcane la prenne. Un ami se fait du souci pour nous et il ferait n'importe quoi pour nous aider. En joue démon. Sulfus est peut-être parti. Tu crois qu'il serait capable de laisser tomber l'école? Je t'interdis de dire ça, c'est pas drôle. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû le piéger comme je l'ai fait hier au centre commercial. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'en suis convaincue. L'amitié est un sentiment qui permet de faire tout ce qu'on veut, oublier les différences et apprendre à se faire confiance. J'ai cherché dans les couloirs, dans toutes les classes, mais je ne l'ai pas trouvé. On est allé voir à la cantine, devant l'école, dans la cour, mais c'est comme si Raph s'était envolé pour toujours. Elle n'est pas la seule. Oui, Sulfus a disparu lui aussi. Les démons le cherchent partout. Qu'est-ce que tu fais? C'est le journal intime de Raph, tu n'as pas le droit. Je sais, mais elle court un grand danger, je le sens. Ourier a raison, c'est un cas de force majeure. Il y a un billet de Sulfus. Il lui donne rendez-vous devant la chambre des défis. Allez voir si vous trouvez des indices là-bas. On ne sait jamais. Moi, je reste ici au cas où Sulfus et Raph décideraient de revenir à l'improviste parmi nous. Tu as fait à Raph. Si vous lui avez fait du mal, vous aurez affaire à moi. Ne t'énerve pas, lapin bêche. On est les victimes dans cette histoire. Je te signale que ton angélique copine a kidnappé Sulfus. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que vous racontez? Vos cornes vous ont dérangé le cerveau? Et alors, nous, au moins, on a des cerveaux. Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas. Regarde ce qu'on a trouvé. C'est une blague ou quoi? Raph a aussi reçu le même billet que le démon. Lisez vous-même. Il l'a écrit à la main. Alors là, je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'il s'enverrait le même billet? Et pourquoi ici? Devant la chambre des défis? C'est quand même bizarre. Mais comment ils ont fait? Sans le savoir, ils se sont donné rendez-vous au même endroit. Je suis d'accord avec toi pour une fois. À moins que... À quoi tu penses? À moins qu'aucun des deux ne sache où il devait aller. Quelqu'un a écrit à leur place. Ça y est, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Non, je suis très sérieuse. À première vue, je dirais que les deux billets ont été écrits par la même personne. Tu insinues que quelqu'un a élaboré un plan pour piéger Raph et Sulfus? Ça alors? C'est une possibilité, et ça expliquerait pourquoi ils ont disparu tous les deux sans laisser de traces. Si elle a raison, alors nos amis sont vraiment en danger. Ils ont besoin de notre aide. On n'a pas une minute à perdre, il faut y aller tout de suite. Wow. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, mais nos amis sont sûrement là. Alors nous aussi, on y va, même si c'est dangereux. Qu'est-ce que vous attendez, poule mouillée? Raph, tu m'entends? Ça va? Oui, je te remercie. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu as une idée de l'endroit où on se trouve? La chambre des défis nous a absorbés et on s'est retrouvés ici. Ah oui, je me souviens. J'ai reçu un billet et après on est tombés. Cette histoire est horrible. Pourquoi tu m'as fait une chose pareille, Sulfus? Qu'est-ce que tu dis? Je te signale qu'on m'a piégé, moi aussi. Ou alors, c'est peut-être encore une de tes mauvaises blagues. Ou alors,
Tu voulais être seule avec moi. J'espère que quelqu'un viendra nous délivrer rapidement. Au secours ! Accroche-toi, Nigel ! Cavalé, où es-tu ? Est-ce que ça va ? Je suis entière. C'était bizarre. Dulce, est-ce que ça va ? Juste quelques égratignures. Hein ? Je me demande où on a atterri. Je n'aurais jamais cru qu'elles auraient le courage de traverser l'abîme obscur. Elles sont tellement inquiètes pour Raph et Sulfus. Oui, Malakai, leur sens de l'amitié est extrêmement développé. Je n'aurais pas dû les sous-estimer. Ces quatre invités surprises ne doivent en aucun cas retrouver nos prisonniers. J'y veillerai, ma reine. Et comment feras-tu ? Tes pouvoirs sont faibles comparés à ceux des deux anges et des deux démons. Ils te battront facilement. À moins, bien sûr, que je ne sois là pour t'apporter mon soutien. Comment ferez-vous ? Silence ! Tais-toi et regarde attentivement. Brume des limbes, la souveraine des ténèbres vous réclame. Réalisez mon souhait. Ma soif de vengeance ne s'est pas atténuée. Au contraire, elle s'est transformée en poison qui coule dans mes veines depuis des siècles et des siècles. À présent, concentrez cette méchanceté dans un instrument mortel qui mènera mes ennemis vers une mort certaine. Prends cela et va-t'en. Grâce à cet objet, tu arrêteras les anges et les démons. Fais vite, nos invités ne doivent pas trouver Raph et Sulfus. Pouvoir de la force ! Tire, allez ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça a servi à rien. Désolée, mes pouvoirs sont impuissants sur ces chaînes. Moi aussi, je suis désolée. Je t'ai accusée d'avoir organisé cette mauvaise plaisanterie, mais maintenant je sais que tu n'y es pour rien. Hein ? T'as changé d'avis ? Je le sens. Je ne sais pas trop comment expliquer cette sensation, mais depuis qu'on s'est touché et qu'on a enfreint le veto, il se passe quelque chose d'étrange. Ouais, je le sens aussi. Il y a eu ce billet et ce piège qu'on nous a tendu. Mais qui ? Tu as une idée ? Non, mais je me vengerai. Ça, je te le garantis. Combien de fois il faudra que je vous le dise ? Il n'y a qu'un seul chemin et il se trouve à travers le bois. C'est le seul chemin pour ceux qui ne savent que marcher, mais nous, on vole, tu l'as oublié ? Comment tu veux qu'on fasse avec les arbres, hein ? Tu as vu comment ils sont hauts ? Non, la pauvre, t'as le mal de l'air ? Arrêtez, vous deux ! Nos amis sont en danger, ne perdez pas de temps ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On marche ou on vole ? C'est pas grave, on va faire les deux puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Dulce et moi, nous marcherons et vous, vous volerez, comme ça on cherchera à deux endroits différents. Mmh. J'espère seulement qu'un des deux groupes trouvera Raph et Sulfus. Courage, Dulce. Nos amis ont besoin de notre aide. Je dois les arrêter à tout prix. Qu'est-ce que c'était ? Tu as eu la même sensation que moi ? Je sais pas, mais j'en ai eu la chair de poule. Tu es d'accord avec moi ? Ces aigles ne sont pas tout à fait normaux. Ouais, ça c'est sûr. Pour battre ces maudits oiseaux. Ils sont trop forts. Il faut revenir en arrière. J'espère que les anges auront moins de problèmes que nous sur le chemin. Fais attention, Ourier ! Regarde ses griffes ! Je me moque de ses griffes. Je dois absolument l'arrêter. Je crois que j'ai une idée. Bouge-toi les oreilles, Ourier ! Pouvoir du sang !
gagné. La musique adoucit ses mœurs de bête sauvage et les ultrasons calment sa foudre guerrière. Tu te réjouis peut-être un peu trop tôt, à mon avis. Là, j'ai carrément plus d'idées. Il ne nous reste plus qu'à revenir à la clairière en espérant que cette bête sauvage ne nous suive pas. D'accord, c'est parti pour la clairière. Pouvoir des fleurs. Qu'on va devenir si personne ne nous trouve? Comment tu peux dire ça? On ne sait même pas où on est, Raph. Si nos amis ne nous trouvent pas, ce qui est possible... Dulce et Uriel me chercheront jusqu'à ce qu'elles me trouvent. Mon âme et mon cœur me l'ont dit. On est coincés ici. Arrête un peu de jouer les pessimistes. Bah, difficile de ne pas l'être. On ne peut pas briser ces chaînes, on est prisonniers. Si ça se trouve, on y restera pour toujours. Pour toujours, t'as raison, je n'y avais pas pensé. Mais on est immortels tous les deux. Où tu veux en venir? C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à briser ces chaînes. Parce qu'on est immortels. Il faudrait qu'on prenne notre forme humaine pour se libérer. Tu crois sérieusement que ça pourrait nous délivrer? On peut toujours essayer. Cox? Basilico, sors de là, vite! Active la métamorphose! Je guide et je protège! Active la métamorphose! Je trompe et j'ensorcelle! Tu as vu, ça a marché! T'as eu une bonne idée, Raph! On doit sortir de là. Regarde, c'est bizarre, la porte n'était pas fermée. Ma reine, j'avais enfermé l'ange et le démon, mais ils ont réussi à s'échapper. Ne t'en fais pas pour ça, je contrôle la situation. Ils sont libres. Mais ce n'est qu'une illusion, Malakai. En réalité, c'est ce que je leur fais croire. Angel's Face. Down. City is